verrez. Si vous le faites pas vous-même, c'est assez drôle. Faites juste gaffe à vous. On la refaire, cette vidéo. Ouais, je... On la refaire, cette vidéo. Allez, on la mettra sur YouPorn, YouTube. Yarbe Hawinkom, Sarah Faraskom, parfait bien à l'école et. C'est bien. C'est bien, c'est bien. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo vraiment particulière. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter une histoire vraiment de fou. De fou. Au niveau des histoires, sérieusement, on a quoi vous raconter. Pour moi, je pense que ce sera l'une des plus drôles. Clairement, parce que vous allez rigoler, vous allez vous taper une méchante barre, c'est sûr. Le titre de la vidéo, ce sera un prout, pas comme les autres. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'étais obligé d'inviter mon pote parce que tu vois... Il a été victime aussi, lui, de ce prout qui était pas comme les autres, tu vois. Vous allez comprendre par la suite. Juste avant... Putain, ça me fait rigoler avec l'histoire. Aussi. Juste avant, petite parenthèse, pour les deux alligators, vous inquiétez pas, les gars, je gère à ce niveau-là. Ça devrait... Normalement, ça devrait s'envoyer d'ici peu, ce mois-ci, ou... Enfin, je vais vraiment essayer... En fait, je vais vraiment faire un truc propre, tu vois. Je vous le dirai en vidéo, tout ça, pas que dire sur Twitter. Voilà, c'est lui et lui le gagnant, donnez-moi vos adresses. Je vais vraiment faire un truc propre, vous allez voir par la suite. Voilà. Un vrai truc. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et voilà pour les gâteaux, pour les news, pour ceux qu'on voulait. Et on est parti pour l'histoire. Donc l'histoire, comment ça se passe? Alors, je vais vous raconter l'introduction et après je vais laisser mon pote vous raconter comment ça s'est passé au niveau de la scène. Parce que vous allez vraiment rigoler pour ceux qui comprennent pas. T'as des gens qui comprennent pas. Ouais. Et y a pas de soucis là-dessus. Bref. Bref. Et donc comment ça se passe? Alors en gros, dans notre collège, on faisait à la fin de l'année des chorales. Des chorales. En gros, il y avait un concert de fin d'année. Si ah voilà, faire. Un concert, pas une un chorale. Concert un concert de fin d'année où tu avais tous les élèves du collège qui avaient joué de la musique, ou qui avaient déjà joué de la musique, ou qui avaient joué de la musique pendant les cours, donc qui avaient appris. Et ben, ils avaient le droit en gros d'aller après, à la fin de l'année, donc c'était en été, mois d'août ou juillet, un truc comme ça. Et bah en gros, il y avait un petit concert organisé par le collège, etc. Et donc, toutes les personnes qui avaient joué, et bah ils avaient le droit d'y aller. Et dans notre classe à nous, on avait... C'est troisième meilleur. On avait cours de musique, faut savoir qu'on avait cours de musique juste après les répétitions de chorale. Les répétitions de chorale, ils étaient pendant l'heure de manger. C'était vraiment de midi à 13h, bah de midi 30 à 13h, t'avais la répétition de chorale. Tu vois ce que je veux dire? T'avais 2-3 personnes qui passaient, qui récitaient leur chant, etc. Bref, et donc voilà. Et donc nous on avait cours de 13h à 14h, je sais plus exactement quel jour c'est, je crois que c'était un jeudi ou un vendredi, un truc comme ça. C'était jeudi. En fin de semaine, je sais. Et donc voilà. Donc comment ça se passe au niveau de la classe, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, je te laisse introduire un petit peu... En fait, c'est tout simple, hein. C'est tout con, on était en salle de musique. T'avais lui. Décris-leur un petit peu comment on était dans la salle, etc. Au niveau des tables... En fait, on va dire que je mets comme vous, je mets là. On rentre. T'as 1, 2, 3, 4 rangées. De 4 places. Après, tu as encore 4 tables juste sur la gauche de 2 places et encore 4 tables au fond de 2 places. Et en face, tu as tout le truc du prof avec tous ses instruments, son piano, voilà, sa batterie. En gros, c'était son bureau. Si tu préfères, on était comme dans une salle normale, sauf que c'était un petit peu plus espacé. On avait des pianos sur les tables et tout devant, en face de toi, et ben, t'avais le prof qui jouait avec son bureau, son ordinateur, et son piano. Enfin bref, il y avait tous ses instruments, il y avait aussi une batterie, une basse. Et de très 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 grosses enceintes. Ah, c'est très 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 important. C'est l'élément principal. Voilà, en gros, les enceintes, les gars, faut écouter bien. Les enceintes, c'était les enceintes du concert. Et c'était vraiment des enceintes, sans déconner, elles faisaient au moins plus d'un mètre, des grosses enceintes Yamaha de ouf. Je sais pas combien de watts elles faisaient, mais en tout cas, elles crachaient salement. Ouais. Et donc, nous, au niveau de la salle, comment on était placés? On était placés par ordre alphabétique. Donc, moi, j'étais dans cette rangée-là, vous compreniez. Hein. Mon pote, l'autre pote, pas celui-là, mais un autre pote. Qui était justement l'acteur en question. Le criminel, c'était le criminel. Voilà. Il était au milieu et nous, notre pote était complètement dans l'autre rangée. Donc on était séparés. 1-1-1, pour que tu comprennes. Vas-y, je te laisse raconter.
ta prof commence à faire de la musique, avec le piano, t'es sur le piano à fond dedans, tu vois, c'était cool, on commençait à chanter. Cool, comment dire, la musique elle se finit, le prof il reste au piano. Et on avait... Et là, le troisième pote, lui était assis, il était sur la dernière rangée, mais tout devant. Et t'avais le trépied du micro, avec le micro, bah, avec la perche, tout ça, et il était branché. Et il faut savoir que, juste pour bien que tu te situes, c'était juste derrière lui, en fait, voilà. Vu qu'il y avait la répétition de chorale, ils avaient avancé les chaises et ils avaient reculé le micro derrière. Donc le micro était juste derrière lui, c'est comme si derrière moi, tu voyais un petit micro que t'as sur une chaise. Voilà. Et lui, ce con, qu'est-ce qu'il fait? C'est que... il jouait avec le micro au début du cours, voilà. Il jouait avec le micro. Au début, les claquements de doigts comme ça, alors un micro de ça pour arrêter les petits bruits, parce qu'il était branché, faut pas l'oublier. Parce que c'était branché, voilà. Et comme j'ai dit, les enceintes étaient très grosses. Mais c'était, on va dire que ses buts étaient, on va dire, voilà, ils n'étaient pas non plus exprès de faire du bruit, ils voulaient juste voir si ça marchait. Ouais, voilà. Et ce con-là, il a oublié que le micro était resté allumé. Et vas-y, je te laisse expliquer. Comment dire? Revoir cette scène, rien que y repenser, ça me fait grave. C'est chaud qu'il a. Je sais pas, c'est chaud quand même. En fait, il était sur sa chaise, bah vous voyez comment c'est fait, une chaise, hein, 4 pieds, chaise de bureau, d'école classique. Et le micro était derrière, mais au niveau de son cul, il avait baissé, parce que comme on l'a dit avant, il s'amusait à faire ça pour voir si le micro fonctionnait. Et pour pas se faire cramer avec le prof qui était devant lui, il avait baissé le trépied. Voilà. Donc en gros, le micro était vers le bas. Voilà, il était vers son cul, faut le dire. Voilà. Il recule sa chaise et il veut péter en même temps, tu vois, pour que ce soit juste le bruit de la chaise qui ressort. Petite parenthèse vite fait. Tu connais l'épée en loose day, tu vois l'épée en loose day, genre tu lèves ta patte en se mandou, tu vois, dans la... Tu vois ce genre de paix là. Et tu, à la base, c'est un petit peu discret, tu vois, tu penses c'est bien, ce connard. Il recule la chaise, il voulait péter en même temps, faut pas oublier. Il recule la chaise d'abord, il pète après, sur le micro. Ça fait le prout fait... En fait... Le prout résonne dans toute la classe. Le prout résonne dans toute la classe. On avait des enceintes sur chaque coin de mur aussi. Ouais, les deux murs en fait, avec deux grosses enceintes. Et ce con, il se recule, et ça veut péter doucement. En fait, ça fait le bruit de la chaise sur le parterre, que ça frotte. Et t'entends... Tu veux, ça fait... Dans le micro. Un gros fait dans le micro. Et c'était franchement sur le coup... Franchement, je vous jure les gars, sur le coup, c'était à pleurer. C'est un petit peu aigu, genre... Voilà, franchement, sur le coup, tu rigoles, mais tu pleures de rire. Sans déconner, tu pleures de rire. Faut le voir, en fait. Et le pire, c'est que, imagine-toi, le mec qui pète après. Il était tout rouge. Je te jure, et c'était grave drôle sur le coup, tu vois. Tout le monde retourné vers lui. Et il était tout rouge, il savait plus où se foutre. T'imagines, tu lâches un gros prout comme ça. Et le pire, c'est pas ça le pire. Genre, le prof, il faisait du piano, tu vois. Et quand il lâche son paix, il fait... Boum. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Et mon pote, il fait... Tout rouge. Et il s'est caché. Et il était au milieu. Donc tout le monde le voyait. Il essaie de se cacher. En fait, c'est comme s'il y avait un mec au milieu d'une pièce et que tout le monde était retourné vers lui. Voilà. C'était ça. Sauf qu'on était tous assis et lui, avec son... Et donc voilà. On était tous dirigés vers lui, de son côté. Voilà l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite histoire comme ça, sympathique. J'espère qu'elle vous aura fait rigoler. Passer du bon moment. Et voilà, j'espère que vous l'aurez tout simplement kiffé. Pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Pensez à donner votre avis dans l'espace commentaire. Et à la partager sur votre mur Facebook, sur votre Twitter. Ça encourage, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Vous me faites découvrir à vos potes me découvrent. Et après, voilà, vous voyez, c'est vous m'aidez tout simplement. Et donc, je vous en remercierai jamais assez. Merci pour toutes les personnes qui le feront. C'était CESO. Garde à one com, tola for us com. T'as fait bien à l'école. C'est bien. C'est les. Si tu bosses pas, t'avances pas. Chaque fois, tu penses pas. Papa de lance-passe. Toi-même, tu as balancé. Ne dis pas ce que tu penses pas. Ton pote le laisse pas. Les fonds ne restent pas. Pas besoin d'eux pour avancer. Non, c'est sûr qu'ils comptaient. Des terres à monter. Suffit pas de parler. Non, poteau, faut la volonté. Ou l'instru, faut la dompter. Pétard, imbonté. Si tu veux du produit, y'a la patate à volonté.